un ancien employé d'une compagnie étrangère d'environ 100 ans et son histoire avec une rue centenaire. Un aventurier d'origine inconnue et sa légende de recherche d'or. Un chèque de 4 banques du Nord et le passé dramatique d'un banquier. Un maître d'opéra de Beijing, témoin d'une légende commerciale nommée Chuan Yechang. Notre documentaire vous déchiffre les secrets de cette capitale commerciale. Grâce à ce brillant succès, Zhang Yizhe a été promu comprador général de soyeurs à Tianjin. Ce jeune homme de 26 ans a créé une légende commerciale dans cette couche spéciale de comprador. Au 19e siècle, l'image de la rivière Haihe était marquée par les marchandises entassées sur les quais et les nombreux drapeaux étrangers flottant au vent. De 1880 à 1900, Tianjin a enregistré un volume global commercial de 940 millions de taels d'argent, équivalent à 200 milliards de yuan d'aujourd'hui. Cette ancienne ville de défense de la capitale devenait le centre commercial du nord de la Chine. Because it brought foreign practices, foreign companies into Tianjin, and it also established ways in which Tianjin was integrated structurally into global trading routes. It also made Tianjin much more familiar to people overseas as a place. So it was a city people had heard of as well. En favorisant le commerce, l'internationalisation a apporté aussi des crises financières. Le roulement des capitaux et l'échange de larges quantités d'argent ont eu un impact important sur les banques traditionnelles. Ce bâtiment sur la rue Diefang Nord est le musée de la finance de Tianjin. Chaque week-end, Liu Zhongxin, 88 ans, vient ici raconter le passé de la banque. À l'âge de 14 ans, Liu Zhongxin est devenu employé de la banque Tianfeng. Du retrait de dépôt, l'envoi d'argent au calcul à la BAC et à la comptabilité, son histoire personnelle reflète aussi l'évolution de la finance de Tianjin. rue Diefang Nord, la branche de Tianjin, de la Banque de Chine. Il y a 133 ans, ici se situait la première banque étrangère de Tianjin. La banque HSBC a apporté un mode financier moderne tout nouveau pour la ville. Avant 1881, Tianjin n'était pas capable de faire des opérations de change. L'arrivée d'HSBC a intégré Tianjin dans le système financier international. Chaque jour, le petit tableau noir indiquait que c'était elle qui décidait du taux de change en Chine. Tianjin的这种比如洋行还有企业来提供资金支持，同时呢也可以完成他们的这种国际汇兑业务。外资的进入在天津呢金融市场上呢也就形成了一个外汇的交易市场。
Après avoir contrôlé les opérations de change international de Tianjin, la banque HSBC commençait à concevoir un projet surprenant. Elle visait plus de gains en Chine en utilisant Tianjin comme tremplin. En 1881, un homme est devenu un pion du projet d'HSBC. Wu Tiaoxing est devenu à Tianjin en tant que comprador général d'HSBC. À ce moment-là, le mouvement d'auto-renforcement battait son plein et avait besoin de fonds. Comme le gouverneur du Zhili, Li Rongzhang, estimait beaucoup Wu Tiaoxing, la banque HSBC a obtenu le droit de prêt pour la construction des premiers chemins de fer de Chine. Wu Tiaoxing est venu à Tianjin Huifeng après avoir activement ouvert le débat. De Qing gouvernement au gouvernement de Beiyang, Huifeng a donné 给中国政府提供了78笔贷款，累计金额达到了3亿3千多辆。那么中国政府呢，则把这个关税和盐税作为贷款抵押，落到了汇丰银行手里。 Sous recommandation de Li Rongzhang, Wu Tiaoxing fut nommé directeur du bureau du chemin de fer Tianjin-Shanhaiguan. Son statut de comprador et fonctionnaire lui a permis de gagner beaucoup d'argent pour les Britanniques. Il est devenu promoteur des premiers chemins de fer de Chine. Wu Tiaoxing maîtrisait parfaitement ses deux identités. Après HSBC, d'autres banques étrangères se sont installées à Tianjin. Dans les années 30, il y avait au total 17 banques étrangères à Tianjin, dont les capitaux globaux occupaient 21% de ceux de l'ensemble du secteur bancier local. HSBC, avec une proportion de 18%, était le leader incontestable. Aujourd'hui, Viviane Beatrice Hunt est revenue à Tianjin de Nouvelle-Zélande avec ses enfants, 65 ans après en être partie. Son premier travail était secrétaire du directeur général d'HSBC à Tianjin. Cet endroit se souvient encore de sa jeunesse. Et pour elle, ses colonnes en pierre élégantes, le plafond magnifique et les lustres particuliers évoquent sa vie heureuse comme résidente à Tianjin. I have a very, very strong feeling of warmth towards China and Chinese people. I like Chinese people. It's a great trip, special trip. So I'm very glad to be here. And tomorrow we have to go home. So I will be sad again. À l'époque, Tianjin attirait les gens du monde entier. Dans les années 20, sur 1 million d'habitants à Tianjin, 10 000 étaient étrangers. Parmi eux, il y avait pas mal de chercheurs d'or légendaires. Lors de son achèvement, il y a 70 ans, ce bâtiment de 10 étages et 43 mètres de haut attirait le regard de tout le monde. Qui l'a construit ? Quelles aptitudes avait-il pour avoir du succès à Tianjin, lieu où de nombreux hommes forts se disputaient la suprématie? L'homme dans la publicité était le propriétaire du bâtiment, Marcel Léopold. Il avait un nom chinois connu, Li Yapu. Fauché à son arrivée à Tianjin, il errait tous les jours dans la rue Zhongjie pour chercher des opportunités. Li Yapu, ce homme, est très intelligent. En 1928, il a fait une petite banque de Lihua银行. Grâce à son passeport suisse, il a déclaré qu'il était un gérant de horloges, un gérant de bijoux. Et il a engagé deux Baigeux pour lui donner des portes. Mais en réalité, derrière lui, il était un ouvrier chinois.
就依靠这个洋行，他赚到了第一桶金。Plus tard, il a commencé à vendre des bijoux. En seulement un an, il a gagné 2 millions de francs. Comment a-t-il eu ce succès ? Comme les familles nobles étaient en déclin, les dames étaient obligées de vendre leurs bijoux pour garder la vie luxueuse dont elles avaient l'habitude. Grâce à son apparence de gentilhomme, Li Yapu a gagné la faveur des dames riches. Cet étranger est devenu leur acheteur préféré. De main en main, les bijoux ont engendré d'incroyables profits. L'ambition de Li Yapu s'est agrandie avec le succès de son business. Il a loué une pièce à la banque HSBC comme bureau et prenait l'air d'un homme à succès. Comme un montage de cinéma, l'action de Li Yapu a produit un effet magique. Les gens croyaient qu'en tant que filiale d'HSBC, la compagnie Léopold avait une grande force. Ses affaires continuaient de prospérer. Li Yapu n'a laissé passer aucune opportunité. 13 ans après son arrivée à Tianjin, le bâtiment Léopold de 43 mètres de haut s'est dressé dans la rue Zhongjie. Des génies d'origines différentes ont imposé les uns après les autres leur présence dans cette rue. Tianjin s'est transformé en capitale commerciale, écrivant sa propre légende dans les vicissitudes historiques. Or, ce n'est qu'une partie de l'histoire. Quand les banques étrangères se sont précipitées à Tianjin, comment la finance chinoise devait-elle réagir ? Se battre de front ? Se retirer devant les menaces ? Ou chercher d'autres voies ? Sous les nouvelles règles, l'histoire de la finance continuait de s'écrire. Au marché des antiquités de la rue Shenyang, les gens arrivent plus tôt que le soleil. Le collectionneur Li Gang vient ici tous les jeudis. Un chèque particulier a attiré son attention. Ce chèque, 30 ans plus âgé que Li Gang, le rend perplexe. La banque Yanye, la banque Jinchang, la banque Zhongnan et la banque Continentale devaient être quatre adversaires. Comment se peut-il qu'elles apparaissent sur le même chèque ? L'union des quatre banques du Nord était née d'une création audacieuse du banquier sur cette photo, Huang Yizhu, ressortissant chinois à l'étranger. Il savait bien que la finance était la clé de l'économie et sans la contrôler, on restait à la merci des autres. Préoccupé de la manipulation du marché financier chinois par les puissances occidentales, il a décidé de développer la finance nationale en Chine. À l'époque de la Grande Guerre, comme les pays occidentaux avaient relâché leur contrôle sur la Chine, Huang Yizhu en a profité et fondé la banque Zhongnan à Shanghai, puis installé sa première agence à Tianjin. Le commerce s'accompagnait de la circulation monétaire. L'émission de billets était devenue l'objectif de beaucoup de banques. Comme Huang était chinois, la banque Zhongnan a acquis le droit d'émettre ses propres billets. Mais Huang Yizhu
avait aussi ses soucis. 发行货币一方面呢，它可以这个扩大银行拥有的货币量，另外一方面呢，还可以扩大银行的影响力。但是呢，一旦货币的发行数量大大超过它的货币准备金，那么呢，对银行的存在就会有风险。 Face aux banques étrangères, les banques chinoises devaient briser l'encerclement. Huang Yizhu a proposé une union. Grâce à sa persuasion, la Banque continentale, la Banque Jinshan et la Banque Yanye ont accepté le financement conjoint. Comme l'alliance des écoles d'épée des cinq montagnes, la réserve des quatre banques du Nord est apparue à Tianjin. Chaque semaine, la presse publiait l'état financier de la réserve. La transparence des informations a augmenté leur réputation. L'alliance a produit une forte compétitivité et une forte résistance aux pressions. C'est ainsi que les quatre banques ont survécu à de nombreuses crises financières. Durant la transition vers la finance moderne, les banques étrangères et chinoises à Tianjin se sont développées parallèlement, faisant ainsi de Tianjin le centre financier du nord de la Chine. Après l'ouverture, l'ancien district commercial de la vieille ville s'est développé vers l'aval de la rivière. Les magasins centenaires se sont déplacés dans les concessions, y formant un nouveau district commercial. Ce mouvement a nourri chez un homme son rêve de centre commercial. Shopping Mall, centre commercial gigantesque aux expériences multiples sous le même toit. Il y a plus de 80 ans, ce type de commerce apparaissait à Tianjin. La rue Heping, surnommée aujourd'hui rue de l'or, est une zone prospère de Tianjin. Le bazar Chuanyechang, centre commercial et lieu de divertissement, reste un emblème de Tianjin après tant de générations. Le miroir déformant est dans le magasin depuis plus de 80 ans. Les gens rient en s'y regardant. Avant les nouveautés de Chuanyechang, attirait du monde, elle dépassait l'imagination des gens de l'époque. Sans sortir de Chuanyechang, on pouvait à la fois acheter et jouer. L'homme à l'origine de cela s'appelait Gao Xingxiao. Alors qu'il était employé des mines de Jingxing, son patron allemand, Haneken, l'estimant beaucoup, l'avait promu exceptionnellement directeur des ventes. Ainsi, il est devenu comprador et a obtenu ses premiers gains. Pour préserver la valeur de ses biens, il a investi dans le magasin dont l'emplacement constitue la clé de son succès. Il y a 87 ans, pour choisir l'emplacement idéal, Gao Xingxiao a lancé des recherches dans toutes les rues. Finalement, un terrain vague est entré dans sa vue. Dans la rue Lijian, son regard s'est fixé sur les pistes du tramway. ...通往这个解放桥，通往东站，又转回去通往城乡区，这样呢就使得
这个电车道通的地方，商业就发达起来了。Le soja était utilisé pour calculer les flux de passagers. Aux carrefours importants, pour chaque passager, un grain était mis dans la poche du statisticien. Le plus grand nombre de soja signifiait le plus grand nombre de passagers. Gao Xinxiao a découvert que la rue Lijian était le meilleur terrain. Cette méthode statistique originale a fixé l'emplacement de Chuanyechang. Dans le magazine Beiyan, l'annonce de l'ouverture de Chuanyechang occupait une page entière. Ce fut le premier centre commercial de ce type à Tianjin. En intégrant le divertissement, le loisir et le commerce, Gao Xinxiao attirait du monde. L'emplacement parfait et l'envergure séduisaient les investisseurs. Gao Xinxiao a nommé ce bâtiment Chuanyechang pour encourager ses compatriotes à développer l'industrie et le commerce national. Non loin de Chuanyechang, le plus grand magasin de la concession française, Tianxian, se sentait menacé. Lors d'un banquet, le patron de Tianxian a dit à Gao Xinxiao que Chuanyechang n'était qu'un cercle, tandis que Tianxian était le ciel. Le ciel dominait toujours le cercle. Indigné, Gao Xinxiao voulut triompher de son adversaire arrogant. Dans le commerce, la compétition ne s'arrête jamais. Gao Xinxiao cherchait à surpasser Tianxian sur tous les plans, même sur la hauteur du bâtiment. Il a intégré de manière créative les différents divertissements de Chuanyechang. Les 8 terrains de divertissement contenaient tous dans leur nom le mot ciel, appelés ensemble les 8 ciels. Le théâtre Vue magnifique du ciel est l'un d'entre eux. Ouvert depuis 86 ans, il constitue une mémoire inoubliable et une attirance éternelle pour beaucoup d'habitants de Tianjin. On se précipitait au théâtre comme les jeunes de nos jours vont au concert d'une star. Sur ce programme de plus de 70 ans, rassemblant de nombreux acteurs célèbres, le rôle principal était Zhang Chunhua, maître du rôle comique martial de l'opéra de Beijing. Acteur sur la scène du théâtre depuis son enfance, le vieil homme a laissé plus d'un demi-siècle d'histoire. Le film américain populaire à l'époque, Robin des Bois, a été aussi représenté sur la scène du théâtre sous forme d'une pièce d'opéra de Beijing assez innovante. Gao Xinxiao s'est creusé la tête pour chercher des tactiques uniques. Le renversement des traditions et les innovations stimulaient les sens du public. Les acclamations au théâtre multipliaient les clients du magasin. Gao Xinxiao, il vient à la nuit. Il est dans le 5e étage, il est assis à l'intérieur. Qui est-ce qui se lave ? 叫他一声爷爷。这个时候，从前台五楼来一个茶房，他来干什么？他就向高兴桥报告一句：明天包厢没了，24个厢没了，那就是
整个的莲花井楼上楼下全满。Face à Chuan Yechang, les autres magasins cherchaient à rivaliser par tous les moyens. Les publicités annonçaient une nouvelle guerre commerciale. Chuan Yechang a produit un effet de regroupement. En 10 ans, la vente au détail, le divertissement, la restauration et les loisirs se sont développés, formant ainsi le district commercial de Chuan Yechang, favorisant la modernisation du commerce de Tianjin. Les vieux districts commerciaux évoluaient, tandis que de nouveaux émergeaient. Grâce à cette diversité, Tianjin est devenue la capitale commerciale du nord de la Chine. La rivière Aire, qui traverse la ville, écrit aussi son histoire. Wang Hongli, directrice d'une société de navigation hollandaise, traverse un couloir du temps chaque jour en allant au travail. Du confluent des trois rivières où les bateaux de céréales se croisaient, au quai de Raire d'où les compagnies étrangères partaient, l'histoire du commerce se déroule. Une ville commerciale se renouvelle. Le port de Dagu, convoité autrefois par les puissances étrangères, est devenu aujourd'hui le plus grand port maritime du nord de la Chine. Le soleil brille sur le quai Europe-Asie du port de Tianjin. Wang Hongli va inaugurer le premier voyage d'un nouveau cargo de 40 000 tonnes. Les conducteurs du cargo de nationalités différentes ne savent pas tellement pourquoi on a choisi ce port original. Mais ils savent bien que Tianjin sera leur deuxième pays natal. À la tombée de la nuit, un cocktail est tenu à l'hôtel Astor, qui garde encore son charme d'un siècle auparavant. Entre les lumières et les ombres, Wang Hongli sait que leur cargo est déjà parti pour le lointain continent africain. Depuis 100 ans, la rivière et la mer donnent à cette capitale commerciale, où se mélangent l'Orient et l'Occident, un destin légendaire. La rivière Aire coule vers l'est sans se retourner. Et au bout de la rivière, c'est justement l'entrée de la mer.